Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, il est midi, j'ai la voix un petit peu cassée. Il y a des moments où ça va et des moments où elle part en couille, donc je vous préviens tout de suite. Je me suis réveillée il y a 10-15 minutes. Rémi est en train de se préparer puisqu'il part au travail à 12h30 vu qu'il travaille à 13h. Voilà, moi je viens de me réveiller, hier soir j'étais très patraque encore, mais là j'ai l'impression que ça va mieux. À part ma voix qui part un petit peu en cacahuète et une petite migraine, franchement ça va, donc je vais aller me prendre un petit lait au miel. J'ai mon téléphone qui a pas chargé cette nuit, du coup ça me saoule un peu. Du coup il va falloir que je vous laisse charger, mais dans tous les cas pour le programme d'aujourd'hui, j'avais surtout prévu de faire du rangement du ménage et de vous faire le room tour de ma déco de Noël. Donc on va faire ça ensemble. Pour le meal prep, du coup je vous le ferai je pense en janvier. Tout simplement parce que ça sera rien de faire un meal prep vu qu'on part dans vraiment pas longtemps chez mon grand-père. Du coup ça serait du gaspillage alimentaire et j'ai pas envie de vous montrer un meal prep pour vous montrer comment je fais trois fois exactement le même repas pour les seuls jours qui nous restent. Donc je vous la ferai un petit peu plus complète, beaucoup plus travaillée avec des beaux plans et tout ça en janvier. Je suis désolée pour le sèche-cheveux, j'espère que ça ne vous dérangera pas, c'est Rémi qui sort de la douche. Du coup, moi, je vais vous abandonner là, je vous reprends tout à l'heure, vous inquiétez pas. Je vais juste faire un petit peu de rangement et un petit peu de ménage. Du coup, le temps que mon téléphone charge et je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, il est bien plus tard, il est 14h50. Je viens de finir mon ménage, donc je me suis dit que ça serait le parfait moment avant que les chats refassent des bêtises, me salopent tout, de vous faire le petit room tour. Donc écoutez, on va faire le petit room tour, mais uniquement du coup de la déco de Noël, histoire d'avoir un petit souvenir. Mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit, donc on fera que la pièce de vie, vu qu'il n'y a que la pièce de vie de décorer, donc c'est parti. Donc déjà quand on arrive dans l'appartement, on a une petite table ici où il y a un sapin de Noël, comme vous avez pu voir. Il est horrible parce qu'il a pris cher, puisque les chats l'ont attaqué. On a essayé de faire en sorte qu'il ressemble de nouveau à quelque chose, mais c'est vraiment pas fantastique. Donc note à moi-même pour l'année prochaine, ne pas mettre de petits sapins pour les chats. Ensuite, quand on tourne ici sur le bar, on va retrouver les quatre chaussettes, donc celles de Rémi, celles de Amélia, celles de Améline et les miennes, qui sont suspendues du coup à une guirlande avec des petits nœuds dorés. Donc là après on a le couloir. On va rester sur le bar où j'ai tout simplement mis ce petit bonhomme de neige qui vient de l'enfance à Rémi, c'est trop mignon. Et sur le centre du bar, du coup, on a ce centre de table qui vient de Action, qui est juste beaucoup trop mignon. Et j'ai mis du coup des petites bougies chauffe-plat vertes que je ne ferai pas chauffer, mais qui est juste trop belle. Pour rester au niveau du bar, j'ai du coup mis le calendrier de l'Avent Action et une petite décoration comme ça au mur. Et franchement, je trouve que quand on arrive, ça le fait quand même plutôt pas mal. Ensuite, quand on se dirige dans le salon, on a cette petite table là où, que j'avais décorée en faisant un DIY. Donc on a une petite couronne, un petit nœud, le plaid de Noël et un petit carrousel. Quand on se tourne, on a la deuxième table où on a par celle-ci par contre le pouf vert. J'ai vraiment du mal à parler. Avec toujours la petite couronne et dessus j'ai mis le Père Noël de mon enfance. Une petite boîte où il y a marqué Christmas et une petite plante. On peut dire bonjour à Miss Liline qui nous fait plein de bêtises. Ensuite du coup on a le salon, vous pouvez voir que les rideaux là-bas sont accrochés comme ça parce que sinon mes chats font littéralement Tarzan dessus. Au début non mais maintenant oui. Donc pour le canapé on est là-dessus, j'adore ce petit coin, en vrai de vrai je le trouve magnifique. Avec le canapé, le plaid blanc, les coussins rouges et toute la petite déco qu'il y a sur le meuble de derrière. Donc ici on a une petite plante dans un pot doré, un petit carrousel, une petite bougie avec un pain d'épices. Ici on a du coup les cadres que j'ai fait moi-même. L'année prochaine je changerai, je mettrai le papier de Noël Martin Cosmetics. On a des petits comme ça carrés cadeaux. Ici on a un petit train, voilà, avec les rails, un petit wagon et mes petits singes qui restent toute l'année. De l'autre côté on a encore une bougie et mon magnifique carrousel que j'avoue allumer que très rarement parce que ça excite les chats et elles essayent de choper les chevals. Je pense que ça se voit d'ailleurs à vue de la tête des chevaux qui sont jamais dans le bon sens. Et donc voilà pour la décoration du derrière du canapé que franchement j'adore et que Miss Liline aussi adore beaucoup. Je vous promets, autant Lia elle s'en fout mais autant Liline elle aime beaucoup. Ensuite on se tourne et on a du coup la table du salon où là on va retrouver un petit dessous de table dorée où on a
De nouveau, un petit casse-noisette et ce petit centre de table de base qu'on a trouvé à du poirier, que je trouve absolument magnifique, avec une petite recharge de bougies que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Action. Donc ensuite, on va pouvoir passer aux meubles de télé. Et le premier truc que je vais vous montrer, c'est bien évidemment cette magnifique couronne de Noël qu'on m'a offerte et qui vient de chez Action. Donc les fameux rideaux rouges qui sont comme ça pour éviter que les chats fassent de la merde. Et sur la poignée, on a mis un petit pain d'épices comme ça qui est trop mignon, qui vient de chez Jiffy. Au niveau du meuble de télé, on a du coup les deux casse-noisettes comme ça qui viennent de chez Action, qui sont juste beaucoup trop beaux. Un petit trio de bougies que j'ai eu également dans le calendrier de l'Avent Action, donc je l'ai mis là, avec une petite guirlande rouge comme ça qui remonte. Au niveau du meuble, on a un petit bibelot comme ça trop mignon et un petit truc où il y a 4 boules de Noël. Ensuite on remonte, on a mon imprimante où se trouve cette magnifique boule de Noël que j'adore, style un peu industriel avec des bombies, une petite bougie, ma plante et j'ai juste fait un petit DIY avec un petit nœud. Pour l'étagère ici, on retrouve de nouveau un petit bibelot qui vient de chez Action, des petites boules de Noël qui viennent de chez Action et le fameux Christmas avec la petite bougie soirée d'hiver qui est en vente à la mode à votre taille. Ensuite on se tourne et on peut retrouver les deux petits DIY que j'ai mis sur mon frigo et du coup mon arbre de Noël qui est beaucoup moins beau qu'au début vu que comme je vous l'ai dit les chats ont fait pas mal de bêtises donc se sont pas mal amusés dedans et d'ailleurs j'ai plus le truc imitation neige au pied vu qu'elles ont fait pipi dedans et bien sûr on retrouve le rêve qu'on avait avec Rémi, notre petit train de Noël l'année prochaine, on espère qu'on le mettra pas ici pour pouvoir vraiment faire le tour donc... Voilà, ensuite on va se diriger à la cuisine où vous voyez un petit peu mieux de loin la petite table qui est ici. On a mon tapis familial qu'on mettait de base sous le sapin de Noël mais que moi j'utilise du coup en tapis de cuisine, je le trouve vraiment très beau. Et on a quelques petites décorations par-ci par-là comme cette petite assiette, je vais y arriver, casse-noisette, ce petit pot qui est de base un pot classique mais que moi j'ai utilisé en tant que pot à ustensiles. Ici, au-dessus de mes dessous de plat, on a une petite boule comme ça de Noël Beauty Success. On a ensuite mon câble de chargeur parce que j'essaye désespérément de faire charger mon téléphone avec les petites décos de Noël, les trois petites boîtes. Ici, on a au niveau du micro-ondes la petite boule de Noël et on a une petite déco ici. Mais en vrai, on est tout le temps en train de la reculer parce qu'on range une partie des gâteaux à Rémi ici. Et du coup, dernière déco de Noël, on a mis le petit renne ici. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas énormément décoré comme j'aurais aimé. Mais je trouve quand même ça relativement beau. J'espère vraiment que l'année prochaine, je ferai quelque chose d'encore plus incroyable. Parce que j'adore vraiment les fêtes de Noël. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça absolument magnifique. Liline, tu es prise en plein flagrant délit de manger de sapin, là? Non, mais je vous jure, elle s'en bat la race que je sois là. Liline, qu'est-ce que tu fais, là? Oui? Tu fais de la bêtise? Oui? Non mais... Donc voilà, le petit room tour est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je crois que pour le vlog d'aujourd'hui, c'est tout ce que je vais faire. Je suis épuisée, mon téléphone ne charge pas du tout. Donc clairement, si je vlog plus, je pourrai pas récupérer les rushs vu que le téléphone sera éteint. Donc c'est formidable. Je vais essayer de faire le montage parce qu'il est déjà pratiquement 16h et que ça sort à 18h et que j'ai une connexion de merde, voilà, et plus de batterie. Donc j'espère vraiment que ça pourra sortir à l'heure pour le coup. Donc là, je vais vous abandonner là. J'espère que ce mini vlog petit room tour vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous le partager et de pouvoir l'avoir du coup en guise de avant après on va dire sur chaque année de mes décorations de Noël qui vont évoluer. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et moi je vous fais du coup de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.